Bé, iniciem un curs més als debats d'educació. Per als no habituals, voldria recordar en aquesta primera edició d'aquest curs que aquesta és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. L'objectiu de debats d'educació és promoure el debat sobre temes d'actualitat i de fons que considerem claus en relació als reptes i als problemes que ha d'afrontar l'educació en el context social, polític i econòmic que vivim, sens dubte a dia d'avui més complex que mai. Aquesta és la sisena edició d'aquests debats que anem recollint, com ja sabeu, en aquesta web que tinc darrere meu, on anireu trobant any rere any els diferents ponents que han anat passant pels debats des del 2004 fins a dia d'avui, amb l'autor que tenim avui aquí. Per al debat d'avui comptem novament amb un ponent d'excepció, Daniel Penach. Probablement la majoria del públic va conèixer Daniel Penach ja fa força anys a partir del seu conegudíssim assaig sobre la lectura com una novel·la, que va publicar en aquell moment ja l'any 93 Editorial Empúries. Avui Daniel Penach ens oferirà la seva mirada sobre els últims de la classe a partir de les reflexions del seu darrer llibre, Mal d'escola, un al·legat a favor de l'educació, sens dubte pertinent, en un inici de curs en què la millora del rendiment acadèmic continua sent centre d'atenció en el nostre sistema educatiu i més que mai objecte de discussió. Hem d'agrair al Museu d'Art Contemporani la possibilitat de portar a terme aquest debat en aquest magnífic espai i Editorial Empúries, la publicació de Mal d'escola i la seva col·laboració indispensable perquè Daniel Penach sigui avui aquí. Per presentar l'autor i per detenir-se una mica més també en la seva obra, disposem de la professora Dolors Folch, professora de la Universitat Pompeu Fabra i bona coneixedora de l'autor i de la seva obra. El format dels debats doncs, serà el de sempre. L'autor disposarà d'entre uns 30-40 minuts per fer la seva ponència i a continuació tots vosaltres disposareu encara d'un torn d'aproximadament uns 20 minuts per fer preguntes a l'autor i per, en definitiva, obrir el debat. Dolors, doncs, quan vulguis. Sí, hola. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Avui agrair a Editorial Empúries la invitació a presentar el darrer llibre de Daniel Penach i a ell li vull agrair que l'hagi escrit. Ja fa molts anys, jo vaig començar a llegir aquest llibre pensant, quan em van demanar de fer la presentació, vaig agafar el llibre i vaig agafar uns pòstits per de formació professional i vaig pensar, posaré un pòstit cada vegada que vegi una cosa que em sembli que té interès. El resultat és això, que ja no sabia ni com posar-m'hi finalment, és a dir, que vaig acabar tranquil·lament el llibre i a continuació vaig pensar una mica sobre el que es podia fer. Ja fa molts anys vaig assistir a la presentació d'un altre llibre de Daniel Penach sobre el món de l'educació, el que ara anomenaven un llibre preciós, com en Homo com una novel·la, publicat també per Empúries, centrat en la importància de la lectura entre els nens i la forma de desvetllar-ne el gust. Penach encara no era aleshores l'escriptor de fama internacional que és avui, però era un llibre preciós, genuí i suggerent, igual que aquest, que està escrit en el mateix to que el primer, com si tants anys de fama i de prestigi no haguessin interromput per res el fil de les seves reflexions sobre el món de l'educació, cosa que és extraordinàriament d'agrair. El text que avui ens ocupa és un llibre ple d'intel·ligència i sensibilitat que et dona constantment ganes d'intervenir. Si hi ha tants pòstits aquí, no és només per coses que volia recordar, sinó per coses que li volia discutir, que volia dir-li, no, però jo no ho faria així, jo no... És a dir, donava constantment ganes d'intervenir, d'entrar dins del seu cercle de guix. Ell devia ser un excel·lent professor, un professor capaç de provocar l'entrada de la gent en la discussió, capaç de suggerir a la gent la possibilitat d'intervenir i de dir-hi la seva. Aquest és un llibre sobre els últims de la classe, com tots sabeu, sobre els protagonistes del fracàs escolar, del que tant es parla ara, però no és una digressió filosòfica sobre el tema ni una anàlisi socioeconòmic de les causes, ans tot el contrari. És un llibre amb argument que comença per disseccionar com són els últims de la classe, el que en francès en diuen cancre i que aquí han traduït per nulitat,
El llibre desenvolupa un argument, com és obligatori, perquè ell era un cancre i era l'últim de la classe i se'n va sortir. Per tant, sabem des del començament que acabarà bé, que d'alguna manera trobarà un desllorigador. El que preocupa a Daniel Pennach, i en això és molt interessant, són les causes personals que han fet perdre als nanos tot el sentit de l'esforç, de la duració, de l'obligació, és a dir, en resum, el sentit del treball. No és que Daniel Pennach negui que el fenomen tingui causes socials, però vol per damunt de tot evitar el perill de donar explicacions a tot i no trobar cap solució a res. És a dir, l'important d'aquesta qüestió és la solitud en la qual es veu immers el pobre nano, que és una nul·litat, i la importància que tenen per ell un grapat de bons professors, d'aquells que no li retreuen el passat com si fos una vergonya, ni li presenten el futur com si fos un càstig, i que no li fan perdre el temps, diguem-ne, que la percepció del temps d'un nen i d'un adult és una cosa completament diferent. El futur d'un nen és una setmana i el futur d'un adult és una dècada, amb mètodes simples, per altra banda. Autèntics tics de professor, com el fet de provocar un minut escàs de silenci en el moment d'entrar a classe, de manera que el nen pugui entrar en el curs que comença, entrar en el món cultural en el qual entrarà, amb una certa calma, pugui aterrissar-hi amb calma i tranquil·litat. El bon professor, diu Daniel Pennach moltes vegades, es manté al marge de les tonteries que la nostra generació ha arribat a dir. Per una banda, que el fet de que els rituals són una forma de submissió cega, que les notes són humiliants, que la memorització del text infantilitza, que els dictats són reaccionaris. I s'hi podria afegir molt més, perquè ell només parla del món de la literatura. Jo, que sóc d'història, podria afegir moltes més barbaritats, entre altres, no la menor, la desaparició de la geografia. Però el que realment caracteritza el bon professor és el fet que està allí mentre dura la classe, que habita plenament la seva aula, que està amb els seus alumnes o amb els seus exercicis i mentre està amb ells no està en cap altra banda. És així com pot demanar-los que mantinguin la seva raó estrictament limitada al tema que els ocupa. Aquests bons professors amb els que tots els estudiants topen 3 o 4 cops durant la seva escolarització, que ajuden els últims de la classe, no pas perquè els tinguin en gran estima, sinó perquè saben com fer-ho, perquè tenen ofici, que són capaços de convèncer-los de que saben molt més del que es pensen. Poden ser i són de matèries molt diverses, però tenen en comú una passió comunicativa per la seva matèria. Daniel Pennach, l'arquetip de l'últim de la classe, se'n va sortir gràcies a que el seu món propi va passar a ser el dels llibres i gràcies a que alguns dels seus professors que li van ensenyar, entre altres coses, que la gramàtica era la primera eina del pensament organitzat. El llibre de Daniel Pennach fa enveja per unes quantes coses. En primer lloc, pel seu final feliç, clar, que omple d'esperança les mares de totes les nul·litats del planeta. Però, sobretot, vist des del nostre punt de vista actual, per la seva confiança i el seu respecte per l'escola de la República. Tant de bo aquí arribéssim a generar un ensenyament que meresqués tanta confiança. I sense res més, passo la paraula a Daniel Pennach. Oui, mais le problème, c'est que Daniel Pennach se trouve devant une sérieuse difficulté, c'est d'ajouter quoi que ce soit à ce que vient de dire Dolores. Si vous voulez bien, on va commencer par l'étymologie du mot cancre. Il se trouve, je me suis aperçu que après publication du livre et rencontre de mes différents traducteurs, je me suis aperçu qu'il n'y a pas une langue au monde où l'on puisse traduire le mot cancre, qui semble spécifiquement français. Les Allemands le traduisent par « mauvais élève », d'autres le traduisent par « nullité », etc., etc. Et l'explication de cela vient de ce que ce mot « cancre » est en lui-même une métaphore.
Quand on me demande ce qu'est un mauvais élève, mais alors qu'est-ce que c'est un mauvais élève, je suis bien en peine d'y répondre, de répondre à cette question, pour la raison qu'il y a autant de mauvais élèves qu'il y a de mauvais élèves. On peut très difficilement, et c'est bien la difficulté du métier d'ailleurs, on peut très difficilement considérer une classe en difficulté scolaire comme étant une classe en difficulté scolaire. À l'intérieur de cette classe, il y a 25 gosses en difficulté scolaire qui manifestent tous des symptômes différents, etc. D'où l'intérêt, au fond, de ce terme générique de cancre, qui est tombé en obsolescence chez nous. En France, plus personne ne dit cancre. Dans un univers de simplification maximale, comme celui où nous vivons, maintenant on dit c'est un nul. Il est nul. C'est-à-dire l'équivalent d'une non-valeur radicale. Le nul, c'est le zéro. Ce que n'était pas le cancre. Le cancre, donc, étymologiquement, c'est le crabe. Un animal qui marche de travers, pas au rythme des autres animaux à deux pattes qui se bronzent sur la même plage et qui, eux, marchent tout droit et courent vers l'eau. Le crabe marche de travers, marche lentement, et puis l'autre étymologie, bien entendu, qui vous vient tous à l'esprit, proche du crabe, c'est le cancer. Le cancre est un élève affligé de cancrerie, rongé par un chancre de peur et de honte qui lui laisse, in fine, d'un souvenir impérissable, comme s'il portait à vie la trace d'un ancien cancer, jamais tout à fait guéri, toujours sujet à de possibles récidives. Le cancre ne se guérit pas tout à fait jamais d'avoir été cancre. L'héritage, la cicatrice la plus courante, c'est le complexe. Il est complexé dans un domaine ou dans un autre, particulièrement si on lui demande, par exemple, de faire une conférence de pédagogie à Barcelone devant un auditoire aussi armé intellectuellement et une amie aussi intelligemment tranchante dans les textes que Dolorès. Donc le cancre se dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter ? En quoi suis-je mandaté? Qu'est-ce qui me mandate? Qu'est-ce qui justifie que je me retrouve devant cet auditoire ou que je me retrouve en tant que romancier, avoir tant de lecteurs ou que, etc., etc. Et je ne suis pas en train de prendre une pause de modestie. Là, je suis en train de vous expliquer les raisons profondes qui ont fait que j'ai finalement décidé d'écrire ce livre, c'est-à-dire de m'attaquer à cette douleur originelle de l'enfant qui ne comprend pas et qui très vite ne se reconnaît pas le droit de comprendre, qui, devant les premières notes, les premières appréciations, ou plutôt les premières dépréciations, se trouvent confortés, non pas confortés, mais d'abord confirmés dans une sorte d'incarcération intellectuelle, une inhibition qu'il ne s'explique pas et qui d'ailleurs, les trois quarts du temps, ne s'explique pas. Ensuite, devant cette honte et ce chagrin, se fabriquent des personnalités d'emprunt, le paresseux, le menteur, le ludique à l'extrême, le fugueur, etc., etc., et qui, dans l'ensemble de ce qu'il ressent, jamais ne touche à l'ombre d'une explication de ce qui lui arrive. Le cancre est dans un état de
au fond de stupeur totale, permanente, qui le fige dans un état premier où donc il compense par les comportements que les professeurs présents dans cette salle connaissent parfaitement. Et donc j'ai décidé de m'intéresser à ce problème puisque j'ai été professeur pendant 25 ans et que pendant 25 ans j'ai enseigné à des enfants en difficulté scolaire, voire parfois pour certains d'entre eux en grande difficulté scolaire. Et j'étais donc devant des objets d'analyse qui me ressemblaient furieusement, qui ressemblaient étrangement à l'enfant et à l'adolescent que j'avais été et dont que je n'oubliais pas et porteur d'une cicatrice dont je ne me remettais pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ne pas se remettre de cette cicatrice? C'est tout d'un coup, lors d'un repas mondain ou semi-mondain, être éprouvé, on ne sait pourquoi, une espèce de honte profonde à ne pas sortir la bonne référence au bon moment, dans la bonne situation mondaine ou dans la bonne situation de séduction. C'est une espèce de malaise qui m'a poursuivi comme ça à l'étage adulte indéfiniment et qui, à chaque fois que j'entreprends un livre même, se poursuit. Quand j'ai commencé à entreprendre ce livre, le cancre a murmuré à mon oreille. Non, mais sans blague, mais pour qui te prends-tu? Enfin, voyons, toi, parler de pédagogie. Enfin, c'est pas aussi net que ça, parce que je suis pas complètement idiot non plus. Mais c'est là, c'est présent. Et donc, je me suis dit que j'allais m'intéresser à ce problème tout simplement parce que l'école ne s'y intéressait pas, l'institution ne s'y intéresse pas. L'institution s'intéresse à des déficits qu'elle imagine être essentiellement d'ordre sociologique, d'ordre culturel, d'ordre linguistique. L'institution fait de la statistique. Or, si en effet statistiquement tout s'explique, personnellement tout se complique, singulièrement. Et à l'intérieur d'une classe, j'ai ce machin que j'ai oublié d'éteindre, pardonnez-moi, à l'intérieur d'une classe peuplée de cancres, d'élèves réputés en difficulté scolaire et réputés en difficulté scolaire tous pour la même raison. Si vous prenez une classe de banlieue, bon, c'est parce que c'est une classe de banlieue. C'est parce que ce sont des enfants d'immigrés. C'est parce que le déficit linguistique de base les empêche de comprendre le minimum des données, etc. Voilà, d'une certaine façon, ce que l'institution montre du doigt et ce par quoi l'institution se rassure. Et elle se rassure à peu de frais. Parce qu'à l'intérieur de cette classe, chaque enfant est victime d'une inhibition, ou certes, les caractéristiques sociologiques a quelque chose à y voir, mais qui est toujours d'une autre nature. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher à comprendre la nature de la cancrerie de chaque élève. C'est inutile, c'est du temps perdu. J'ai très vite compris, étant professeur, qu'il était vain avec mes élèves, avec chaque cas particulier, qu'il était vain de faire de la sociologie, qu'il était vain de faire de la psychologie, qu'il était vain de faire de la morale. Il fallait pratiquer autrement, car l'élève qui était devant moi lorsqu'il n'offrait pas les résultats escomptés, celui, vous savez, sous le carnet duquel on trouve éternellement la même remarque, manque de base. C'était extraordinaire. J'ai lu manque de base sur le carnet d'un enfant de CP. C'est-à-dire un enfant qui apprend à lire. Manque de base. Que signifie ce manque de base? Ça signifie, de la part de l'adulte qui écrit manque de base sur le carnet d'un enfant de 6 ans, ça signifie, un, c'est pas ma faute. C'est la faute de Dolores qu'il a eue l'année d'avant, premièrement. Et deux,
L'institution me donne l'explication. Il manque de base. Ce n'est pas l'élève qui me fournit cette explication. C'est l'institution elle-même. Il entre dans la catégorie des élèves qui manquent de base. Et ce faisant, puisque ce n'est pas ma faute, et que je ne puis y remédier compte tenu du nombre des autres élèves qui sont dans ma classe, dont il faut bien que je tienne compte, eh bien, cet élève manquera à vie de base. Chaque professeur, chaque année, faisant porter le chapeau au professeur de l'année précédente. J'ai donc décidé de ne faire ni sociologie, ni psychologie, ni morale, et de m'intéresser qu'à une chose, un phénomène extrêmement simple, c'est la peur, la terreur. Un point commun, parce que ça c'était réellement un point commun, ça a été un point commun pendant 25 ans que j'ai rencontré chez tous mes élèves en difficulté scolaire, tous ont peur. Alors de quoi ont-ils peur? Là, on commence à entrer dans la bouteille à l'encre, on se remet à faire de la psychologie. Ils ont peur, ils sont inhibés par une peur qui fait tout simplement barrage au savoir. Impossible de transmettre quoi que ce soit à quelqu'un qui a la trouille. De la même façon, impossible de transmettre quoi que ce soit à quelqu'un qui a du chagrin. C'est-à-dire une fille ou un garçon qui pleure en classe, vous ne pouvez pas commencer le cours. Il faut la consoler d'abord, sinon ça ne passera pas. En revanche, si Dolores rigole en début de cours et que je dis « Bon, Dolores, on commence. » Et qu'elle arrête de lire, de rire, hop, le savoir va passer. Je prends Dolores en termes génériques, comme ça, c'est un prénom générique. Mais le chagrin et la peur sont des murailles dressées devant le professeur et qui empêche donc toute transmission de tout savoir. Je me suis donc attaqué à ça. Très tôt, dès les toutes premières heures de cours, dès que j'ai été professeur, j'ai compris, franchissant la première salle, la première porte de ma première classe, au bout d'un quart d'heure, j'ai compris que je me trouvais, il se trouvait que c'était une classe de quatrième aménagée, dont la direction nous avait prévenu qu'elle n'était pas aménagée en deux mots, qui en cinquième l'année précédente avait déjà envoyé, et nous n'étions qu'en 1969, nous reviendrons sur ce point, avait déjà envoyé un certain nombre, enfin pas un certain nombre, j'exagère, avait envoyé un professeur à l'hôpital, qu'elle allait d'ailleurs recommencer cette année-là, un autre professeur d'histoire, et que ses enfants avaient peur, y compris ceux qui manifestaient d'entrée de jeu de l'agressivité à mon égard. Alors de quelle nature était cette peur? Je dis inutile de venir d'épiloguer là-dessus. En gros, c'est tout bête, c'est la peur d'être jugé pour le crétin qu'on nous a dit qu'on était depuis une éternité, et auquel on a fini par croire. Le mauvais élève est absolument persuadé qu'il est l'imbécile que lui désigne l'adulte. « Tu es un crétin ?»« Oui, oui, dit-il, je suis un crétin. » Mais petit à petit, évidemment, il va compenser. Et si vous me permettez une grossièreté claire, nette et précise, il entend « Oui, oui, tu as raison, je suis un crétin, mais je t'emmerde. » Fin de non-recevoir. Fin de non-recevoir absolu. C'est ce genre de choses auxquelles vous allez assister quand vous verrez le film de Kanté et de Bégodeau, qui est d'ailleurs un excellent film d'un point de vue cinématographique et profondément critiquable par ailleurs, parce que Bégodeau pose ce modèle scolaire comme au fond un modèle générique, quoi. Il semblerait que l'ensemble de l'école de la République soit constitué d'élèves qui auraient tendance à dire au professeur « Oui, nous sommes des imbéciles, mais on vous emmerde. » C'est évidemment pas le cas. Ça, c'est une parenthèse pour notre modernité. Car dans la perception que nous avons au jour d'aujourd'hui de l'école, l'essentiel de cette perception est celle-là.
celle d'une espèce de banlieue parisienne qui semble fantasmatiquement gigantesque et peuplée de gosses, tous révoltés et contre l'institution et contre les professeurs comme individus, et contre les matières et contre la langue et contre la République et contre la France, etc. Et ça, c'est le fantasme national français, tel que nous le vivons, et qui est, si j'en juge par les propres visites que je fais presque hebdomadairement dans les lycées, la semaine dernière, un lycée de banlieue, un collège de banlieue et un cours moyen de banlieue, qui dément absolument cette vie fantasmatique. Ce sont des gosses absolument tout à fait comme les autres qui, dès qu'on s'intéresse à eux, manifestent un désir de savoir, un, pourquoi on s'intéresse à eux, deux, si on veut bien leur apprendre quelque chose. Ils sont d'une curiosité d'enfant, une curiosité d'adolescent tout à fait normale. Bien. Donc, je me suis attaché à la question de cette peur. Et maintenant, je vais aller plus vite. Cette peur affecte l'élève, affecte l'enfant, affecte les parents de l'enfant, singulièrement la mère de l'enfant. Quand je reçois des coups de téléphone vers le mois de mai, vers le mois d'avril même, quand ils, sur leur carnet, ils ont la fameuse note, le troisième trimestre, je l'ai là en rouge, le troisième trimestre sera déterminant. Quand les mères lisent le troisième trimestre sera déterminant, le téléphone sonne à la maison. Et ça se passe en général vers le mois de... Ça commence au mois de mars. Et la peur des mères, c'est une peur intéressante. Et là aussi, il y a quand même un invariant. C'est tout simplement une projection de la terreur présente sur l'écran du futur. Comme si le futur de l'enfant, 10 années plus tard, ne pouvait être qu'un présent aggravé. La mère qui a peur ne s'imagine, sa peur se nourrit de la terreur de ce que le futur ne soit qu'un présent aggravé. Également, cette peur rejaillit sur les professeurs. Les professeurs qui, à chaque fois qu'ils se trouvent devant un mauvais élève, même s'ils se réfugient dans le manque de base, dans le « ce n'est tout de même pas à moi de rattraper 5 ans de retard, ce n'est tout de même pas... » Tout de même, chez nous tous, professeurs, lorsque nous échouons devant un élève, nous nous heurtons à nos propres limites professionnelles. Et nous nous aimons un peu moins. Il est vrai que nous avons pris l'habitude de compenser assez vite. Mais pendant un certain temps, nous nous aimons un peu moins. Nous nous estimons un peu moins. Cette peur donc du cancre de l'élève... tout petit, fait des dégâts collatéraux considérables sur l'ensemble du monde adulte, sur lui-même bien entendu, et sur l'ensemble du monde adulte. Donc l'urgence me paraît pédagogiquement être de soigner cette peur. Alors quels sont les moyens à disposition du professeur pour soigner cette peur? Ça, c'est... Alors quelle est la méthode? Tout le monde vous immédiatement vous dit. Alors vous avez la méthode, vous l'avez le moyen? Vous qui êtes si fort, vous l'avez le moyen? Eh bien oui, 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 nous l'avons. Et nous l'avons tous professeurs que nous sommes. Quel est ce moyen? Eh bien c'est la matière que nous enseignons. Et on peut toujours tourner autour du pot indéfiniment, il n'y a pas d'autre moyen. Nous n'avons pour agir sur la peur d'un élève déscolarisé qu'un outil, la matière que nous lui enseignons. Et je dois dire que dans ce domaine, les professeurs de français sont tout de même un peu mieux servis que les professeurs de physique-chimie ou que les professeurs de je ne sais quoi. Cela dit, parmi les professeurs qui m'ont sauvé la vie, le plus remarquable de tous était un professeur de mathématiques. Qui avait devant lui, en 1961, qui avait une classe d'élèves tellement
mathématiquement détruit qu'on aurait dit un casting pour un film de Sam Peckinpah. Parce que les effets secondaires, la voyouterie, les coups, les vols, les mensonges, bref. C'était la classe que nous constituions. Pourtant, il n'y avait aucun immigré dans cette classe, à part quelques pieds noirs tout de même qui revenaient d'Algérie et qui mettaient une certaine ambiance, en particulier en important des injures merveilleuses. Les injures de ces garçons et de ces filles, de ces Français d'Algérie qui arrivaient, c'était m'émerveiller. Leur puissance métaphorique m'émerveillait. Il y en avait une en particulier qui était extraordinairement grossière, mais tellement, tellement radicale, absolue, c'était « va te chier ». Injure merveilleuse, ou celui qui injurie considère celui à qui il fait son injure, non pas comme son excrément à lui, mais comme son propre excrément. Et il y avait donc une inventivité tout de même dans cette classe, mais enfin, c'était le degré zéro de l'inventivité en mathématiques. Et ce jour-là, cette année-là, quand nous sommes entrés dans cette classe de première, et où nous avons rencontré M. Baldenweg pour la première fois, nous sommes tombés sur un Bouddha mathématique d'un calme, d'une tranquillité absolue, d'un amour inoxydable pour sa matière. Je ne sais pas si c'était un grand mathématicien. Je ne sais pas s'il était absolument passionné par les mathématiques. En tout cas, il adorait sa matière. Il aimait les mathématiques. Il n'avait qu'une envie au monde, c'était de transmettre. Et comme il n'était pas tombé de la dernière pluie, nous ne lui faisions mais absolument pas peur. Il savait d'instinct que nos attitudes étaient des attitudes. Qu'elles n'étaient que des attitudes, que nos personnalités n'étaient que des personnalités d'emprunt pendant ce cours de mathématiques, parce que nous ne nous jugions tout simplement pas dignes d'assister à un cours de mathématiques, parce que notre présence dans une classe où on enseignait les mathématiques passait pour nous pour une situation surréaliste. La machine à coudre et le parapluie. Monsieur Baldenweg dans le rôle du parapluie, nous la machine à coudre. Eh bien, il ne s'est absolument pas laissé impressionner par ça. Il savait à qui il avait affaire et il savait que qu'il ferait de nous des mathématiciens très vite. Et très vite, il a fait de nous des mathématiciens. Il a pris l'un d'entre nous, il lui a dit, non, d'abord, il a écrit un chiffre au tableau, c'était le chiffre 12. Et qui plus est, il avait une voix aiguë, c'était donc un être ovale. Qui parlait comme ça? Et que les garçons, car il n'y avait que des garçons. La terre n'était pas mixte à l'époque. Les filles étaient dans un autre établissement et nous étions tous les garçons là. Alors les garçons, qu'est-ce que je viens d'écrire au tableau? Ils disaient, les 12 doigts de la main, monsieur. Non, c'est la note que vous aurez au baccalauréat. Alors évidemment, tout le monde ricanait, ça me ferait mal, etc. J'ai toujours eu zéro. Je ne crois pas aux ensembles vides. En quoi d'ailleurs il n'avait pas mathématiquement tout à fait raison, mais l'image était, croyez pas. Et il désigne l'un d'entre nous, il nous dit, tiens, toi, n'importe toi par exemple, toi, deux et deux font combien? Alors le grand Fada, qui jouait le rôle du Fada, répond en ricanant, quatre. Il dit, en effet, mais pourquoi est-ce que ça te fait rire? Est-ce que tu as conscience de l'intelligence de cette réponse? Est-ce que tu peux imaginer une seconde jusqu'où va nous amener cette réponse dans le courant de l'année? Si on commence le cours par ça, et toute l'année, on va approfondir ce 2 et 2 font 4. Commençons d'ailleurs par 2 quoi plus 2 quoi. Et hop, nous voilà embarqués dans une curiosité devant un professeur qui pratiquait une maïeutique de bazar, peut-être, mais qui marchait et qui a fait de nous, dès la première heure, des mathématiciens. Nuls, certes,
Mais la prédéfinition du mathématicien, c'est simplement l'enfant curieux d'apprendre en mathématiques, d'en savoir davantage en mathématiques. Et nous avons été, cette année-là, ces enfants-là. Nous étions des adolescents, mais comme nous étions complètement infantiles, je dis, cette année-là, ces enfants-là. Et ce professeur a ajouté, au cours de ce premier cours, après l'histoire du 12 au baccalauréat, d'ailleurs, nous ne parlerons pas une seule fois du baccalauréat. Ah, pas le temps. Nous n'allons parler que de mathématiques. Et son air gourmand nous a entraînés dans ce festin. Autre type de professeur qui avait les moyens, une certaine mademoiselle Gilliormini au lycée, d'abord dans un cours privé, parce qu'évidemment je ne fréquentais que des cours privés, et de plus en plus privés, qui acceptait les derniers déchets de l'éducation nationale, parce que théoriquement j'aurais dû être au travail, j'avais passé mes 16 ans, mais ma famille s'acharnait. Et cette professeure, Gilliormini, était, elle, un ouragan qui nous entraînait derrière elle, mais parce que nous étions aspirés par son enthousiasme, on parcourait tout le champ historique et tout le champ géographique derrière Gilliormini. Impossible de rester en arrière, d'abord parce qu'elle nous engueulait comme du poisson pourri. Et ça, on pourra revenir sur le concept de l'autorité. Les gosses adorent les engueulades quand elles sont fondées. Les enfants se cassent la tête contre les murs d'autorisation molle et, contrairement à ce qu'on pourrait croire, adorent les engueulades qui sont intellectuellement fondées et affectivement justifiées. Parce que la seule façon d'aimer les enfants, ce n'est pas de leur faire des mamours, c'est de les aimer intellectuellement. Et quand une engueulade est intellectuellement justifiée, elle est pédagogiquement fondée en affect. Et donc Gilliormini nous engueulait du matin au soir et nous entraînait dans cet ouragan. Elle avait, elle aussi, la méthode. Un troisième des professeurs qui m'est sauvé, c'était en troisième, un professeur de français auquel je mentais énormément. Évidemment, je lui expliquais, j'inventais les raisons pour lesquelles je n'avais pas fait le devoir qu'il attendait de moi. Et ce mensonge, j'en produisais un autre en mathématiques et un autre en anglais, à la façon dont Truffaut décrit cette inflation du mensonge qui va jusqu'au « maman est morte ». C'est ma mère, monsieur. Quoi, votre mère ? Elle est morte. Et les enfants le font très naturellement. Ils nous enterrent très naturellement. Et ce professeur de français, qui m'avait donc à 15 ans révolu, 16 ans dans sa troisième, le pauvre, s'était aperçu qu'il avait affaire à un menteur invétéré qui avait derrière lui une longue, longue carrière de menteur et qui, parce que c'est ça le drame du cancre, pris entre le marteau de l'école et l'enclume de la famille, il faut qu'il mente d'un côté et de l'autre. Il arrive en classe, il raconte des bobards pour expliquer les devoirs qu'il n'a pas fait. On lui flanque zéro quand même, et en faisant semblant de croire à ses bobards. Un petit pas de deux diplomatique, zéro, devoirs n'ont fait zéro. Mais bon, tu as une explication, c'est très bien. Il rentre ensuite chez lui, où on lui demande « Alors, comment ça s'est passé à l'école ?» Et il répond « Bien !» Deuxième mensonge de la journée. Et ça, tous les jours de l'année, ouvrable. Donc, ce professeur s'était trouvé devant moi, devant un menteur invétéré, et il a eu une intuition, il a dit « Bon, très bien, très bien. Je vous dispense de tout devoir pendant le trimestre. Aucune dissertation, aucun résumé de texte, rien. » Mais vous allez m'écrire un roman. Et je veux un chapitre par semaine. Et si possible, sans faute d'orthographe, histoire d'élever le niveau de la critique. Et il avait résolu d'un seul coup trois problèmes. Un, la définition de moi-même. Tout d'un coup, il m'installait dans un rôle qui me convenait. Deux,
Il m'installait dans une régularité qui me faisait tout à fait défaut. Et trois, en ne parlant de l'orthographe que pour éliminer cette question secondaire afin d'accéder immédiatement au niveau critique, il a mis fin à ma dysorthographie. Et mettre fin à la dysorthographie d'un enfant, c'est tout simplement faire qu'il travaille avec des dictionnaires. Ce que depuis je fais. J'ai deux dictionnaires ouverts auprès de moi. Donc les méthodes existent et il n'y en a qu'une, c'est la matière que nous enseignons. Et je suis prêt à affirmer que toutes les autres, à commencer par la leçon de morale, à continuer par l'investigation psychologique, à continuer par l'apitoiement sociologique, toutes les autres sont parfaitement inutiles. Elles sont des baumes momentanés. L'enfant ou l'adolescent aime, en effet, que pendant 5 minutes, un adulte le plaigne, le console. Mais tant qu'il ne le console pas en termes mathématiques, dès que l'enfant aura quitté le consolateur, il va se retrouver en but au langage algébrique, en but à la langue étrangère, dont on sait qu'on les apprend si mal en France, en but, bref, à la difficulté face à laquelle il s'est toujours trouvé en but. Donc la consolation ne suffit pas. La consolation ne suffit pas, l'analyse psychologique est inutile, et l'analyse sociologique est vaine, car elle se réduit en fait à une statistique. Et d'ailleurs, dans les 25 ans où j'ai enseigné, j'ai constaté que dans les conseils de classe, le langage critique des professeurs évoluait au gré des modes. Dans les années 60, les conseils de classe étaient de caractère moraux. On disait, cette petite est vraiment mal élevée. Elle est même, c'est pas étonnant d'ailleurs, c'est une fille de divorcée. J'ai entendu ça. Bien. Et Dolores se retrouvait mise à la porte. Dans les années 90, la vulgate était d'ordre psychologique. Nous faisions des conseils de classe parapsychanalytiques. Mais le résultat était le même, Dolores se retrouvait à la porte. Et à la fin des années 90, nous avons entamé le conseil de classe sociologique. Pas étonnant, pauvre Dolores, immigrée catalane de la première génération, qui n'a accédé au niveau de langage que... Mais Dolores se retrouvait à la porte. Le résultat pour Dolores était rigoureusement le même. Heureusement, je suis arrivé dans la vie de Dolores. Et je crois qu'on peut, en gros, s'arrêter là pour ma participation. Je crois que j'ai couvert à peu près tous les... Parce que mine de rien, j'ai l'impression de digresser, mais j'ai couvert à peu près chronologiquement le contenu du livre. L'essentiel étant, alors, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de professeurs parmi nous, l'essentiel étant, pour moi, cette histoire de la matière comme outil pour vaincre la peur de la matière. Car les élèves sont constitués des matières que nous leur enseignons. Donc, on peut, quelle que soit la matière, la méthode socratique de M. Baldenweg fonctionne très bien. Il y suffit de pas mal de... J'ai déjà écrit ça dans comme un roman. Il y suffit de ne pas se comporter en usurier du savoir. Il ne faut pas attendre que ça rentre tout de suite. Il faut en même temps se dire que nous avons le temps. Et le temps, alors ça c'est un long débat. Quelle est la nature du temps pédagogique ? Immédiatement, quand je dis ça, mes collègues me disent « Comment ? Mais tu ne te rends pas compte, tu es complètement cinglé, 8 mois, le mois de mai, on ne peut rien faire, il est troué comme un gruyère. » Oui, mais
N'aurions-nous que 6 mois, n'aurions-nous que 5 mois, ça vaudrait la peine de raisonner sur ce qu'est la nature du temps d'imprégnation d'un élève. Ça peut être au départ très lent et s'accélérer au moment de la révélation, car il y a une révélation. Une des classes, par exemple, qui était particulièrement désastreuse, mes classes aménagées dans les années, au début des années 70, ça devait être en 70-71, quand on est entré dans la classe avec le professeur de mathématiques et qu'on s'est retrouvé ensuite, on s'est dit, ça y est, bon, celle-là, on était tout jeune, c'était moi ma deuxième année, et on s'est dit, non, là, nous sommes cuits. Là, on a trouvé la limite. Ceux-là, on ne leur fera rien apprendre. C'est tout à fait impossible. Et on s'est, par bonheur, immédiatement repris et nous leur avons appris à jouer aux échecs. Nous avons fabriqué un grand échiquier mural. Et nous leur avons appris à jouer aux échecs à l'époque du match Spassky-Fischer. C'est-à-dire à la toute première fois où, médias aidant, les échecs avaient pris une résonance, c'était devenu une espèce de mythe, et ce Fischer était un type incroyable à l'époque. Et nous avons consacré donc 1 heure par semaine franco-mathématique à leur apprendre à jouer aux échecs. Et même d'ailleurs la première semaine, toutes les heures, jusqu'à ce qu'ils... jouent et jusqu'à ce qu'ils nous annoncent fièrement qu'ils étaient allés battre les latinistes. Et dès qu'ils se sont mis à battre les latinistes, ils se sont mis à faire des mathématiques, du français, à ne plus regimber, à ne pas refuser, à ne pas rouspéter en permanence. Ils ont lâché. Les échecs ont simplement fait lâcher cette résistance puisqu'ils savaient jouer à ce jeu réputé la distraction de l'élite, de l'élite, de l'élite. Donc, mais ça, c'est un petit truc par ailleurs. Voilà, j'arrête là. Bé, moltes gràcies a Daniel Penac. Com us deia al començament, disposaríem ara d'un espai de temps per obrir un torn de paraules. Si aneu alçant les mans, faríem com anem fent sempre un primer torn i crec que, vaja, que tindríem temps suficient, tot i que hem començat amb una mica de retard per fer un parell de rodes de preguntes. Si algú doncs vol començar a intervenir. Sí, allà hi ha una primera pregunta. Alguna altra? No, doncs sí, de moment volem començar amb aquesta primera. Bé, més que una pregunta, és una reflexió en veu alta i una felicitació al senyor Penac, perquè justament el que ell ha plantejat, en síntesi, almenys així ho puc entendre, és que els exemples que ell ha donat són d'alumnes o de nens a nenes que són situats per l'adult amb un qualificatiu que els inutilitza, no? I que després aquests alumnes responen en funció d'aquest qualificatiu inútil, imbècil, idiota, etc. No? Quan en realitat l'exemple que ell ha posat és, en lloc de dir ets un mentider, escriu una novel·la, és a dir, inventa. És a dir, posa't en acció. No? I posa't en acció vol dir posa en funció, en ament, posa en marxa el teu desig, la teva curiositat intel·lectual. Que és justament tot el contrari de la cosificació que comporta el posar un qualificatiu que condemna aquell alumne. I en relació a l'exemple que ha posat dels escacs, jo recordo, especifico que sóc metge de psiquiatria infantil, recordo que no fa gaires dies em va venir un nen al qual se li havia dit que tenia un dèficit d'atenció i em va explicar que feia activitats extraescolars. Li vaig preguntar quines són. Diu, jugo els escacs. Diu, jugo els escacs els dimarts i els dijous i els divendres recullo el premi. Dic, doncs home, difícilment pots tenir un dèficit d'atenció si ets campió d'escacs. No? Per tant, vull dir, algú
algú havia tingut en compte que independentment dels qualificatius, aquest nano era intel·ligent, no tenia cap dèficit d'atenció i a més tenia desig intel·lectual. Per tant, moltes gràcies. Sí, alguna intervenció més? Sí, aquí davant. Ah, un moment, hi ha una aquí davant i allà al darrere una altra. Sí. Allà al fons em diuen que n'hi ha una altra. Ara doncs començarem allà al darrere. Sí, jo li demanaria al senyor Panach com es fa per aconseguir aquests objectius tenint els programes que es tenen almenys en aquest país i no havent-hi la participació dels que ho viuen el dia a dia. Gràcies. Aquí al davant. Je ne peux évidemment pas répondre à ce genre de questions parce que elles nous amènent à une situation, à la situation extrême que nous vivons tous dès que nous devenons professeurs, c'est la solitude dans la classe face aux élèves. Et quels que soient les élèves, ce n'est pas particulier à l'Espagne, hein, ça se trouve aussi en France, notre attitude, notre être là, j'appelle ça le présent de l'incarnation, qui est un combiné complexe entre la passion que nous éprouvons pour notre propre matière, l'intérêt que nous éprouvons pour la classe, quelle qu'elle soit, et le goût de changer ce morceau de réalité, relève d'une discipline personnelle, ne relève pas d'une formule magique et ne relève pas non plus d'une formation intellectuelle, si rigoureuse soit-elle. Il y a quelque chose de plus qui est de l'ordre de l'investissement personnel absolu pendant cette heure-là. Ça, c'est intéressant. C'est pendant cette heure-là. La santé recommandant, dès que l'heure est finie, de penser tout à fait à autre chose. Tout à fait autre chose. D'aller faire du violon, des échecs, du foot. Mais tout à fait autre chose. Mais pendant cette heure-là, l'heure d'enseignement exige de nous une présence intellectuelle, psychologique, bien sûr, enfin, une perception des autres, absolue. Absolue. Et alors, évidemment, la classe, chez nous, vous n'imaginez pas comment chez nous, c'est un vrai scandale la façon dont on se représente une classe aujourd'hui. Une classe aujourd'hui n'est représentée dans le fantasme des auditeurs de la radio, des spectateurs de la télévision. N'est jamais représentée que comme une bande d'adolescents dans un état de rejet absolu, etc. Mais c'est, alors là, pour le coup, statistiquement tellement faux que c'est stupéfiant de voir un pays, enfin un monde adulte, un monde d'adultes s'offrir cette perception de la jeunesse. C'est tellement stupéfiant que ça confine à la folie. Enfin, c'est une sorte de folie où le réel ne compte plus pour rien. Le réel, c'est forcément le pire. Moi, du réel, il y a une définition que j'aimais bien, que j'ai bien aimée, c'était la vision que donnait Lacan. Et ceux qui ont entendu Lacan
ceux de ma génération qui ont entendu Lacan. Moi, je n'ai jamais assisté à ces séminaires, mais j'entendais quelquefois la radio. Lacan hurlait, tempêtait. Et un jour, j'étais en voiture, il a donné une définition du réel qui m'a tellement frappé que j'étais obligé d'arrêter la voiture, d'abord parce que je rigolais comme un fou, et ensuite j'ai arrêté la voiture parce que c'est vrai. Alors, Lacan dit « Le réel !» Mais vous voulez que je vous dise ce que c'est le réel ? Ça, Lacan, fou furieux. Le réel, c'est ce qui cloche. Eh bien, cette définition me satisfait absolument. Le réel, c'est ce qui cloche. Et au fond, il est dans la nature d'une classe d'enfants devant vous de clocher. Vous ne vous trouverez jamais devant une parfaite harmonie qui vous sera donnée, quel que soit le pays, quelle que soit la classe, quel que soit le niveau social, quel que soit le milieu social. En revanche, l'harmonie, c'est Baldenweg, mon prof de maths, lui, il l'a créée. Giliormini l'a créée. Mon professeur un professeur de philosophie aussi, l'a créée par la qualité de sa présence en tant que chef d'orchestre. Je dis ça dans Chagrin d'école. À un moment donné, je parle d'une fille que j'ai rencontrée en banlieue qui avait une classe de gosses alors à faire fuir tout le monde, à faire peur aux bourgeois, des grands noirs, comme des basketteurs, des filles de 15 ans avec la taille comme ça, les seins comme ça, des Betty Boop terribles, tout ça parlant à un niveau décibélique inaudible comme ça. Et je suis invité par cette jeune femme, 26 ans, une gamine dans sa classe, et elle avait transformé cette bande de barbares en critique littéraire, qui pratiquait la critique littéraire avec infiniment moins de barbarie que les critiques patentées. Elle faisait son métier. Mi intervención será una paradoja. Amo las palabras, creo amar apasionadamente mi materia, pero aquí ha habido un momento que a mí me pasa mucho en clase. Usted ha dicho alguna pregunta y nadie quería hacer ninguna pregunta. Aquí yo sé positivamente que había o miedo escénico, o miedo al ridículo, o miedo a ver si digo que no estaré a la altura de semejante maravilla de intervención, ¿no? Pero muchas veces en clase tú quieres intervenir, quieres que ellos participen y no consigues arrastrar a nada, por mucha pasión que pongas. No sé si a usted le ha ocurrido, pero ¿qué hubiera hecho su profesor si usted no hubiera escrito ningún capítulo? Hay otra intervención. Oui, mais cela dit, oui, vous avez tout à fait raison, et je me suis trouvé confronté à ce genre de... Il y a des gosses avec lesquels on échoue. Pas seulement la classe entière, mais un enfant ou deux en particulier, ça m'est arrivé assez souvent. Un gosse qui vous le dit d'ailleurs, qui dit « mais j'en ai rien à foutre ». Vous pouvez bien me dire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Et c'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est pas que ce soit vrai, mais on ne trouve pas le moyen. J'ai des tas d'enfants auxquels je n'ai pas eu accès. Oui, non, parce que là, je peux concevoir votre agacement... quand vous me voyez comme ça, à ce point enthousiaste, d'écrire des situations scolaires difficiles avec des profs admirables qui réussissent, je comprends tout à fait que ça vous agace, et vous avez tout à fait raison. D'autant plus que moi-même, mais le contrepoint existe dans le livre, moi-même, il m'est arrivé d'échouer avec... d'atteindre mes limites, ou pour des tas de raisons d'ailleurs, ça peut être ponctuel, parce que j'étais fatigué, je m'étais couché trop tard, ou des choses comme ça. C'est quand on arrive en classe, il ne faut pas être fatigué, quoi. Mais je suis bien obligé de constater aussi que dans les lycées, là, vraiment les lycées que j'ai fait la semaine dernière, j'ai trouvé des professeurs, mais qui, au regard
du fantasme national sur les mauvaises classes de banlieue doivent passer pour des surhommes. Doivent passer pour des surhommes. Ils leur font faire des choses qui passent pour extraordinaires. Mais en réalité, non. Dès qu'on est dans la classe, on s'aperçoit que ce sont des relations normales entre gens normaux. Le seul problème, c'est que pendant un certain temps, les élèves jouaient un rôle. Et que le professeur est arrivé à leur dire « Mais arrêtez, arrêtez de jouer ce rôle, arrêtez. » D'abord, c'est pas drôle. Ensuite, bon, où ça va nous mener, on sent... Bon, il y arrivait. Comment y arrivait-il ? Là, c'est là quand même qu'il y a un petit... C'est là que je vous dis qu'il y a un petit mystère. Ça se résout dans la nature de la présence du professeur. Et vous savez ce qui vous est arrivé en France, à Marseille, en ce moment, dans un certain nombre de lycées, il y a une mode chez les élèves qui consiste à ne pas regarder le professeur. Ils arrivent, ils font comme si le prof n'existait pas. Ils ne parlent pas, ils ne chahutent pas, ils ne rient pas, ils ne se battent pas. Ils font comme si le prof n'existait pas. Eh bien, il se trouve que être professeur, c'est aussi trouver la solution pour régler ce problème-là. Je ne sais pas du tout comment j'y arriverais, moi, si je me pointais dans cette classe et qu'on ne me regarde pas. Je ne sais pas, je sais pas ce que je ferais, mais il faudrait bien que je fasse quelque chose. Sinon, je quitte la profession. Sembla que hi havia una altra pregunta per allà al darrere. Bona nit. Jo voldria agrair a la Fundació Jaume Bofill i a la UOC haver organitzat aquest debat tan, tan interessant. Els que d'aquí som professors i ens dediquem a l'ensenyament, aquest entusiasme l'estem buscant cada dia, cada dia. Però què ens podria dir vostè davant a la percepció social de que la nostra feina no serveix, no té uns resultats tan desitjables com voldria la societat. Moltes gràcies. Je me demande ce qu'espère la société, à vrai dire. D'abord, si, je ne sais pas si ça peut vous rassurer, mais vous ne savez absolument pas si votre travail ne sert à rien. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas en réalité si votre travail ne sert à rien. Que votre travail... Je ne sais pas si vous savez ce que la société attend, mais peu importe. Les enfants qui sont en face de vous et qui sont nombreux, il y en a peut-être un ou deux que vous allez marquer à vie. Mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Et vous allez le... Je ne sais pas comment vous dire. Et d'autre part, je ne sais pas d'où vous vient ce sentiment d'échouer devant une classe. Mais il me semble que c'est une partie du livre. Il me semble que votre principal rival, ce n'est pas les élèves. Je crois que votre principal rival, c'est la clientélisation de l'enfance. Et ça, je crois que ce n'est pas spécifiquement espagnol, que ça existe chez nous aussi. Notre principal rival, c'est que l'enfant, et on peut le déplorer, mais on ne peut rien y changer. On ne va pas être nostalgique d'un retour au passé. De toute façon, on ne peut rien y changer. Mais les classes sont ce qu'elles sont. Ce sont des classes d'enfants clients. C'est-à-dire d'enfants qui vivent dans une société de consommation où ils sont eux-mêmes consommateurs, au même titre que leurs parents, dans les mêmes registres que leurs parents. Les vêtements, la nourriture, la téléphonie, les moyens de locomotion. Il n'y a qu'un domaine dans lequel ils ne consomment pas comme leurs parents, c'est la propriété privée de l'appartement qu'ils habitent. Mais tout le reste... Ils sont des consommateurs exactement au même titre que leurs parents. Ce qui leur confère, à mes yeux, une sorte de pseudo-maturité, maturité technologique, maturité commerciale, maturité des modes d'emploi,
Quand j'ai par exemple moi besoin de faire arranger mon ordinateur parce que j'ai fait un bug, une gaffe, j'appelle un gosse de la cour chez moi. Il vient, il me le remet. C'est parce que c'est un petit client. Il sait faire. C'est son bien de consommation à lui plus que le mien. Et je crois que c'est ça notre, c'est ce phénomène-là notre principal rival. En quoi est-ce ce phénomène? En ce qu'il a rempli les enfants de désir. Et de désir, non pas de, le désir de consommation, c'est un désir de consommation, on a tous des désirs de consommation, mais en l'espèce pour les enfants qui, depuis leur tout jeune âge, sont sollicités par la télévision, par le, etc. Le désir de consommation, c'est simplement le désir de changer d'objet consommé. C'est-à-dire, on a un portable et on ne cesse pendant le cours de maths de songer au remplaçant, la génération d'après, etc. Et ça vaut peut-être le coup de commencer un grand nombre de cours en parlant avec eux de ces désirs qui sont des désirs superficiels et qu'ils prennent pour des envies, pour des besoins fondamentaux, alors que vous, professeurs, nous nous adressons effectivement à des besoins fondamentaux. Besoin de lire, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre à raisonner, d'apprendre... Nous, et notre, nous nous heurtons à ce conflit entre les désirs et les besoins. Ça me gêne beaucoup toujours de parler de ça parce que je me fais l'effet de prendre une position très moraliste. Mais c'est pas comme ça que je vois la chose. Je vois vraiment comme... je pense que c'est vraiment un obstacle qui n'existait pas, par exemple, quand j'ai commencé à enseigner. Les gosses avaient des désirs, mais ils avaient des désirs d'être ailleurs, comme tout élève normalement constitué. C'était relativement simple à résoudre. Mais ils n'avaient pas cette pseudo-maturité de consommateur à part entière. Parce qu'il faut d'ailleurs bien dire que s'ils cessaient de consommer, tout le système s'effondrerait. Tout le bastringue s'effondrerait si les enfants cessaient de consommer. Si par exemple vous arriviez à les convaincre, si nous arrivions tous à les convaincre, si tous nous arrivions à communiquer la matière que nous enseignons et à les passionner pour cette matière. Ça serait intéressant à ce moment-là d'analyser les courbes de vente des baskets, machin, des téléphones, dudule. Ça serait intéressant, mais on pourrait peut-être faire que ce système s'effondre. Bé, estem pràcticament al límit del temps. Podríem fer potser alguna intervenció més. Aquí davant n'hi ha una. No sé si n'hi ha una segona aquí. Si no n'hi ha cap més, faríem aquestes dues últimes intervencions. Molt bé. Jo voldria, primer de tot, felicitar Daniel Penac. He llegit 3 o 4 llibres d'ell i, a més, avui parlant, doncs, ha mantingut aquest nivell. També agrair-li la seva sinceritat. El dia que vaig mirar la contraportada del llibre d'avui i vaig veure que ell deia que era un disortogràfic, em va sobtar, no? Un professor de literatura i un escriptor disortogràfic. Això els seus alumnes ho sabien? Perquè sovint els alumnes el que veuen és un model d'un professor que tot ho fa bé, un professor que mai és suspès, uns pares que mai han suspès, que tot... Llavors aquest alumne sovint es queda com si ell fos a l'estrany. Un alumne que fa faltes d'ortografia al nostre país és un alumne que se'l senyala amb el dit. És un mal alumne. A totes les seves assignatures li baixen la puntuació perquè fa faltes d'ortografia. I sovint pot fer grans esforços de repetir tota una redacció i se li torna una altra vegada en vermell. Un alumne dislèxic pot passar una nit estudiant els verbs, que per ell és una creu, i tornar-li l'examen suspès perquè s'ha deixat els accents. Les conjugacions estaven bé, però els accents no. Llavors, que aquests alumnes coneguin que hi ha gent adulta que se n'ha sortit sent disortogràfica o dislèxica, potser els pot ajudar. El dia que van saber que Bill Gates era un dislèxic, van dir, bueno, tinc possibilitats a la vida, no? Senzillament.
És ara que ens ho diu o els seus alumnes també ho van saber, que vostè era un disortogràfic? Non, 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 parce que je ne leur ai pas dit. Je leur ai simplement dit qu'ils n'auraient plus jamais zéro en orthographe. Sauf, alors, après avoir étudié, après avoir repéré les cas de surdité, les cas de dyslexie avérée, bien qu'ils faillissent être d'accord sur la définition, mais une fois que j'avais fait cette étude-là, en début de classe, je leur disais, tous ceux qui se prétendaient abonnés au zéro en orthographe, je leur dis, c'est fini. C'est fini, vous allez voir, dans 3 semaines, vous aurez les notes, peut-être même la moyenne, peut-être même plus, à votre dictée. À vos dictées. Et on faisait des dictées même plusieurs fois par jour. Mais ça, c'est, là, on en a pour des heures. S'il fallait parler de cet exercice qui peut être absolument extraordinaire, merveilleux. La dictée peut être un exercice enchanteur. Donc, je ne leur parlais pas de moi. Ils ont même appris assez tard que j'écrivais. Il a fallu que la télévision commence à s'intéresser à moi pour qu'il y en ait un qui me dise « c'était pas vous l'autre jour ». Hola, moltes gràcies per aquests debats i voldria posar-li una qüestió, una pregunta, vull dir, suposem que jo sóc una mamada d'un cranca i que estem al mes de març i vaig a veure el professor com puc ajudar en aquest fill meu o aquesta filla meva. M'agradaria doncs que em digués què puc fer o què podem fer conjuntament per ajudar-lo. Gràcies. Vous savez ce que disait Freud aux mamans, il disait faites ce que vous voulez, de toute façon ce sera mal fait. non mais c'est vrai, il y a une sacrée différence entre les parents et les professeurs dans la relation à l'enfant. Moi, j'avais une mère qui était désespérée par son petit, et puis je lui disais mais c'est curieux parce qu'il m'a dit ceci et cela. La mère dit, mais attendez, pourquoi est-ce qu'à vous, il vous dit tout et à nous, il ne nous dit rien? On était une équipe de professeurs, on travaillait ensemble. Alors, quand le vous, c'était l'équipe. Mais pourquoi est-ce qu'à vous, il vous dit tout et à nous, il ne nous dit rien? Et on lui a répondu, mais même, c'est très simple, parce que nous ne lui sommes rien et vous, vous lui êtes tout. Et donc, l'enjeu entre les parents et les enfants, pour en revenir à la question que vous posiez, si simplement... Je crois que la meilleure façon d'aider les enfants, c'est de s'intéresser vraiment à eux, ce que j'imagine que vous faites, et de ne pas avoir peur de l'avenir. Pas avoir peur. En tout cas, de ne pas la manifester. Pas avoir peur. Ça ne sert à rien. De toute façon, il peut lui tomber une brique sur la tête demain et terminer. Pas d'avenir. Donc l'avenir, il faut faire confiance aux aléas dans tous les sens. Il faut vraiment faire confiance aux aléas. Moi, mes parents, ma mère était morte de trouille, mais elle ignorait simplement qu'elle avait un enfant qui était lent. J'étais lent. Voilà. J'étais lent. Alors les autres passaient le bac à 17 ans, moi je l'ai passé à 20. Parce que j'étais lent. Alors évidemment, bien entendu, comme j'étais lent, on croyait que j'étais bête. Et puis comme je réagissais, les premières personnes que l'on croit quand on est enfant sont les adultes. S'ils vous disent qu'on est bête, on est d'accord. Mais alors évidemment, on aménage le territoire en conséquence. On devient paresseux, puisqu'on est bête, puisqu'il n'y a pas de résultat envisageable. Donc n'ayez pas peur, je crois, enfin en tout cas de l'avenir. L'avenir, ça, si le réel c'est ce qui cloche, l'avenir c'est ce qui n'existe pas. Bé, moltes gràcies, Daniel Penach. Amb això acabaríem aquesta excel·lent conferència, aquests debats d'avui. Gràcies.